Salut à tous, Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo solution coffre trésor et défi photo pour la nouvelle saison, c'est parti. Nouvelle arrivée dans la saison du printemps avec la nouvelle Porsche et la Vocarton à récupérer pour 20 et 40 points respectivement. Au niveau des deux défis qu'on a réalisés pour cette semaine, les voilà, défi photo et coffre trésor pour 5 points au total et 100 000 crédits plus une petite récompense à la fin pour le défi photo. Bien sûr les gars, comme d'hab, si jamais ces vidéos sont utiles pour vous, toutes les semaines vers 7h, 17h environ, n'hésitez pas à bien liker, bien vous abonner et surtout vérifiez bien si vous avez mis la cloche des notifications sur toutes activées, sinon vous allez manquer des vidéos. Sinon vous pourrez manquer des vidéos justement solutions comme ça ou même des lives peut-être si ça peut vous intéresser. Donc pensez bien à activer la cloche, vous abonner etc, ça fait grave plaisir. C'est parti maintenant pour les solutions. Le premier défi photo, c'est photographier la Ford Mustang GT de 2018 à la maison qu'on a vu juste avant dans la dernière saison. C'était l'endroit du coffre au trésor d'ailleurs, donc allons-y. Bon, la voiture en question c'est celle-ci, la Ford Mustang GT de 2018, elle est assez facile à voir et en plus de ça bah, elle coûte pas grand chose donc très facile. Et au niveau de l'emplacement, il faut se rendre à Mouléré, donc dans la ville qui a été redécorée pour cette saison. Et il faut se rendre au niveau du panneau XP qui est juste là, vous avez le rassemblement qui est juste à côté aussi. Il faut monter tout en haut de cette petite colline et une fois arrivé devant, et bah, vous sortez l'appareil photo avec la Mustang et la maison en arrière-plan. Et normalement, sera tout bon. Attention, une fois que vous êtes dans le mode photo, il faudra faire une petite dernière chose, c'est-à-dire se rendre tout en bas dans les filtres et mettre ligne directrice, non, vous mettez le mode portrait comme ça. Et là après, bah, vous prenez une petite photo de la voiture avec la maison en arrière-plan. Et là du coup le défi sera validé, il y a bien écrit avec le pré-réglage portrait, donc c'est bien obligatoire de faire ça, avec évidemment l'emplacement de la maison, la Ford, et le défi est validé. Passons maintenant à la chasse au trésor, l'esprit d'horizon. Indice pour le trésor, divertissez les 25 000 personnes présentes à ce festival mexicain. Avez-vous ce qu'il faut pour y parvenir pour avoir 100 000 crédits, je vous le rappelle. Alors sur l'image du coffre au trésor, on peut voir que c'est cette voiture là, alors vous l'avez très probablement pas, c'est une voiture qui est extrêmement rare et qui est payante en DLC payant sur le jeu, enfin bref, c'est un véhicule qui est très peu présent, donc si vous l'avez pas, je pense que ça va fonctionner du coup avec la version normale qui est celle-ci juste en dessous, on va essayer avec les deux. Ensuite bien sûr il faut se rendre au niveau du festival Horizon Mexico, donc c'est le premier que vous débloquez. Et une fois arrivé sur place les gars, au niveau du festival Mexico avec la voiture, évidemment je vous conseille de l'améliorer, peu importe, mais améliorez-la pour qu'elle ait un peu plus de puissance. Et ensuite, vous devrez arriver à plus de 25 000 points de prouesse avec la voiture en question devant le festival. Je suis arrivé au 30 000 x 5, ça va se valider et voilà, le défi est terminé. Donc moi, je fais la 30 000 et quelques, mais je pense que c'est 25 000 au total. Pas forcément besoin de faire 25 000 x 5. Après, je sais pas. Essayez de faire un maximum, au pire, faites 25 000 x 5 pour assurer le truc. N'hésitez pas à drifter pendant tout le long et valider ça vers l'endroit où j'étais et ça fonctionnera nickel. Au niveau de l'emplacement, on est au niveau de Mouléré encore une fois, je vous conseille de vous diriger vers cette zone-là. Et effectivement, j'ai spawn à l'endroit où je vous ai montré et juste derrière moi, hop, que voilà, le petit coffre trésor qui est juste devant. Donc là on est parfait, l'endroit c'est juste ici, je vous le remonte comme ça vous êtes au top. Et une fois que c'est bon, et après vous récupérez le coffre trésor avec les fameux 100 000 crédits qui nous mettent super bien. D'ailleurs vous l'avez certainement remarqué, mais la saison est sortie à 15h30. Depuis le changement d'heure qui est passé récemment, les saisons seront désormais à 15h30 et plus à 16h30. Et quand on repassera du coup en heure d'été, on repassera sur du 16h30. Et logiquement, pour information, on aura le Forza Monthly vendredi soir, donc l'annonce de la prochaine saison, avec tous les nouveaux véhicules, tout ce qui va arriver pour la prochaine saison. Et évidemment, j'en ferai une vidéo, pas de soucis pour ceux qui peuvent pas forcément être là. Mais je serai là en tout cas pour stream la saison avec vous, découvrir ça et aussi vous traduire parce que c'est tout le temps en anglais. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, c'est méga important. Vous êtes plein à regarder les vidéos à chaque semaine et à pas être abonné, je compte sur vous les gars. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Et bien écoutez, moi je vais pas vous souhaiter une bonne petite soirée. Ciao tout le monde, c'est Alex, à plus.